À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, Jean Lassalle s'est rendu sur le plateau de Votre Instant Politique, sur France Info. Alors que dans l'édito politique de Renaud Dely, diffusé le matin même, il avait été qualifié de complotiste des champs, l'homme politique a lâché, je veux dire simplement à Renaud Dely que je regrette profondément ce qu'il a écrit, même si c'est France Info. C'est un chien. Essayant de le raisonner, Gilles Borstein a déclaré, non, vous ne pouvez pas dire ça. En colère, Jean Lassalle a glissé, si, il n'a pas le droit d'écrire ce qu'il a écrit. Et je le dis à Jean Quatremer aussi, ça, ce n'est pas de la politique. Souhaitant mettre un terme au débat, l'animateur s'est emporté. Ce n'est pas un lieu pour régler ses comptes, s'est-il exclamé. En colère, Jean Lassalle a lâché, comment me connaît-il cet homme-là pour porter des jugements aussi graves? Ce n'est pas digne, ce n'est pas digne. Après que l'animateur lui a indiqué qu'il ne savait pas de quoi il parlait, l'homme politique a déclaré, mais lui, il va me comprendre, il va me comprendre. Suite à ces propos, c'est dans un communiqué que la chaîne a souhaité s'exprimer. France Info condamne vivement les propos tenus, mercredi 6 avril, par Jean Lassalle à l'encontre d'un de ses éditorialistes. Lors d'un rendez-vous politique, le candidat à l'élection présidentielle a insulté Renaud Dely en réaction à une de ses chroniques. En aucune circonstance, l'insulte n'a sa place dans le débat public et ne saurait intimider des journalistes et éditorialistes qui font leur travail. France Info en appelle au respect et à un climat de sérénité que mérite le débat démocratique, peut-on lire. Jean Lassalle ne décolère pas le lendemain après-midi, c'est sur Twitter que Jean Lassalle est revenu sur ce qu'il avait dit la veille. La raison de ce coup de sang, une chronique de 3 minutes parue sur France Info où l'immense Renaud Dely, grand journaliste militant du service public, me traite de complotiste des champs sans aucun argument tangible venant étayer son propos, a-t-il écrit. Dans un second tweet, l'homme politique a ajouté, « Cher Renaud, peut-être que si vous refaisiez un audit sur la situation de la presse et des médias français en général, vous me trouveriez moins complotiste. »